Ouais, je m'appelle Richie le rat, dès qu'il y a un billet, je suis là. Hein. Richie le rat, dès qu'il y a un billet, je suis là. Avec Hassan, on retourne la vie. Avec Abby, on se fait du bis. Ah, hey, ouais. Hey, ouais, ta gueule, hey, ouais. On est là. Eh ouais, c'est la classe, hein. Ça va, la police, ils vont pas nous emmerder avec ça. Bah non, si vous faites pas de bêtises. Incroyable. Oh, ils sont trop bien. Si vous faites pas de bêtises, c'est bon, hein. Et donc là, t'as pris 1000$ et normal. Ouais. Eh, viens, on va porter plainte, c'est bon. Tiens. Ouais, ça, ouais. Appelle 42, appelle l'état-major, appelle la proc, appelle tout le monde. Là, c'est soirée Pookie, là. Je m'en bats les couilles. Ah ouais. Ah ouais, oh. Je m'en bats les couilles. Yes. Ah, ça te fait du bien, ça, le chien. Ah hein. Ouais. Oh là là. Ouais, ah, ouais, pas savoir à quel point. Yes. Oh, vous êtes mort. Oh, vous êtes clairement mort. Oh, vous êtes mort. Oh, vous êtes mort. Arrêtez-vous. Non, je m'arrête pas. Oh, Moussa, t'es mort. Salut. Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas. Le lien du Discord est en description. C'est mardi. À tout de suite. Wesh, aïe. Faut que c'est derrière au calme. Mais wesh. Alors. Non, c'est des baskets blanches, wesh. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est pas des bottes là, j'ai pas des bottes. Ouais, faut que tu sois tout en blanc, comme ça, c'est ton voilà. Putain, il ressort. Ah putain, ton jean, putain, il me dégoûte. Ouais, le jean par contre, ça va pas du tout. Attendez, ouais, donne-moi l'argent par contre. Elle a pas de thune, elle a pas de thune. Je te paye, je te paye. 100$. Tu veux être classe ou pas? Mais oui, faut qu'elle soit classe. Comme ça, comme ça j'envoie une photo à 42, il me dit si ça lui va ou pas. Ah, ça fait ça fait un gros cul comme il ça. Il va se faire casser. Bah ouais, pas. Non, non, en fait c'est pour un tour en hélicoptère et il lui faut quelqu'un. Ah ouais. Ah ouais, comme ça il rigole et tout. Et il va pas me jeter du hélicoptère. Mais non, de toute façon t'auras un parachute compris avec. Mais pourquoi vous avez mis un rideau sur vous, Abby? Ferme ta gueule. Je vous permets pas. Ah, c'est dommage de vous payer pour la semaine. Regarde la robe que je t'ai donnée ou pas? Bah, tu sais quoi, du coup, demain tu me donnes rien et comme ça ce soir je te donne rien. Non, vous me donnez. Vous savez. Eh oui. Attends, tout à l'heure j'étais à combien? Tu sais pas, t'étais à combien? 12k. Bah, je suis encore 12k. Ah bah tu vois, c'est parfait. Du coup, demain tu me donnes rien. C'est parfait. J'étais à 12 800, je suis à 12 800. Par contre, normalement mes prix vont augmenter. Hein. Je te le dis direct. Hein, 2022, c'est pas comme 2021. Ah moi, je te le dis direct. Hein. Ah ouais? Assis-toi, classe sur le canapé, je te prends en photo. Oui. Oh, assis-toi bien, s'il te plaît. Genre, tu croises les jambes. Pas en mode Gandhi, s'il te plaît. Non, ça va pas ou quoi, wesh. Tu croises les jambes, tu croises. T'as non, astaghfirullah. Reculez ou je vous voilà, parfait. Vrai, je sais me défendre, hein. Faites gaffe nickel. À vous. Hein. T'es sûr? Attends, bah bien sûr, bien. Alors arrête. Je vois ça à 42. Ah ça c'est, il a joué. Ouais, attends, y'a un mec. Wesh mon ref, t'es en chaleur ou quoi? Moi sa tête, son visage il me fume. Tu l'as déjà vu son cheveu ou pas? Comment ça son cheveu? Oh dinguerie. Attends, je tiens le cheveu, j'ai envie. Bon. Quoi? Regarde le profil, regarde le profil. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Ouais, je suis un caillou. Kadji, poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, un caillou. Ouais. Ah, ça me fume. J'ai juré, c'est un caillou. On dirait un vigile, frère, chez Sephora. Oh, là, ça me fume. Richie. Bonjour, monsieur, ça va quoi? Richie. Pour faire un double des clés, s'il vous plaît, de mon dernier appartement. J'ai fait. Vous pouvez me donner le numéro, du coup, s'il vous plaît. Ah, ouais, j'aimerais bien, en vérité, mais compliqué, je sais pas. Attendez, c'est le. Ah, attendez, c'est le 8226. Allez, on se dépêche, je sais pas. Il me faudrait juste. Écoutez-moi, c'est un appartement T3, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Tu es Richie Archibald. C'est ça, beau gosse, c'est ça. Les deux clés, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. Alors, la première clé, s'il vous plaît. T'es un bon. Ah, putain, 100$. La deuxième. Ah, 100$. Ok. Bon, parfait, nickel. Du coup, je vous donne ça, attendez. C'est les 82-26, voilà pour vous. Les 82? 82-26. Parfait, nickel. Merci, tu gères, beau gosse. Pas de problème, bonne soirée, beaucoup, les gars. Bah, allez, on s'arrache. Par contre, c'est bien, c'est 35$. Ouais. 40$ le menu, Hans. Tiens. Merci, les potes. Kadi, pour le moment, je n'ai pas la clé, mais je l'ai toujours sur moi. Donc, si jamais t'arrives à pêcher au 42, on est bon. 40$. Là, je lui ai envoyé la photo et je lui ai demandé s'il aimait bien, quoi. Ah, 40. Attends, tu fais quoi là, mon ref? Tu fais quoi? C'est quoi cette dégaine? Tu vas où? Tu vas au ski? Bah, non, c'est la lunette de Ice. Mais c'est toi qui déclenches les avalanches. Les avalanches, c'est toi, en vrai. Les avalanches. Les avalanches. Les avalanches, c'est elle. Les avalanches. Les avalanches. Les avalanches. La merde. Laisse-moi tranquille, merde. Non, laisse-la tranquille, arrête. Tu vois pas qu'elle est fragile. Elle était malade déjà, elle était malade. Tu veux pas être mon cadeau de Noël? Comme ça, je t'ouvre, je te déballe. Mais arrête. Oh, mais va travailler au Sephora, arrête de faire des trucs comme ça. Pardon, désolé. Il est où, Hans? Je faisais Hans, t'es où? Wad al-Haram 1 à Wad al-Haram 2. Mais je suis déjà dans la voiture, Wad al-Haram 1 pour Wad al-Haram 2. Très bien, Wad al-Haram 1. Donc j'arrive. Tu veux rigoler? 42! Oh, attends, oui, bah attends. C'est pour ça, bah ouais, putain. 42! Qui est là? 42! Check mon message, SMS, bisous! Oui, avec ses blagues de merde, lui! Eh, tu sais que hier, il a fait une blague. Oui, il a fait toc toc toc. Mais t'es qui? Ta mère la pute, et il est parti.
40 dollars. Mais vous savez, il me l'a fait tout le temps. Ouais, c'est chaud là quand même. Moi je tombe toujours dans le piège quand même. Mais du coup, ta mère c'est vraiment une putain de sous. Oui, c'est vraiment une péripatie. Ah, ok. Alors, ouais. Oh Kadi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais. J'ai envoyé la photo 42, il m'a dit j'achète. Genre il achète le pack quoi, genre pas toi. Eh Abby, c'est pas stylé là? On habite juste là, regarde. C'est grave stylé wesh. T'as vu? Ah ouais, t'es comme ça Richie. Quoi? Ah ouais. Mais non, putain, ce fils de pute de Hans, il a ramené Shalab, il me dégoûte. Hans, convocation à la cuisine directe. Ok, j'arrive. Ah ouais, oula, bien. Bon, du coup, c'est quoi ce délire de whisky ou de la haram, le birra au calme? C'est quoi ce délire? Non, c'est. Oh mince, je suis vraiment désolé, je pensais l'avoir enlevé. Oui, bah écoute, tu vas dans la salle de bain. Non, écoute, tu mets ta tenue de femme de ménage, tu reviens, tu débarrasses tout ça. Allez, dépêche-toi. Désolé, mais c'est. Haram Ikider. Hier, on a nettoyé le commissariat pour 10 000 dollars. Ah ouais, c'est carré ça. Mais madame. Mais l'hôpital, c'est mort, à mon avis, c'est des pinces de fou. Et pour combien de dollars je te nettoie ton car et je te fais la place pour moi? Je vais aux toilettes, j'arrive. Wesh, j'aime un peu. Mais viens là. Elle a pas cool là. C'est grave gentil ce que t'as dit. Bah ouais, je sais. Putain. Mais elle est pas de ce bord là, elle m'a dit. Propose ça, Hans. Je pense qu'il va dire oui. Essaye de le draguer là, regarde. Mais putain, Hans, il ressemble à une serpillère. On s'en bat les couilles, c'est juste pour draguer, pour tester ton charme. On s'en bat les couilles. Vas-y. Mets-toi devant, mais non, mets-toi devant, en mode romantique. Ah ouais. Ah ouais. Genre, tu voudrais pas nettoyer mon cœur et nettoyer cette table? Oui. Au lieu de nettoyer cette table et de faire mouiller cette table, tu veux pas faire mouiller autre chose? Non, dites-moi. Vous êtes bizarre, vous. Il est pas réceptif. Dites-lui, ça vous dirait que je vous prépare un tagine et un couscous? Ah, il va tomber amoureux. Ça vous dirait que je vous prépare un tagine et un couscous? Vous savez faire ça? Je sais bien faire des burgers, okay. Je sais bien faire ça, non? Ok, c'est quoi les ingrédients? Je mets ma sauce javel. Non, semoule. Semoule? Ensuite? Et du couscous. T'arrives à dire couscous? T'arrives à dire? Couscous? Dis-lui, je rajoute le patata. Patata. Oh, ça y est, stop, je comprends rien. Mais juste, allez-y, c'est pomme de terre, patata. Patata, c'est pomme de terre. Patata. Voilà, gras. Ensuite, gras. Voilà, luft. C'est des navets. Luft. Voilà. C'est pas une maman mariée, ça? Tu manges avec le luft? Ouais, bah oui. Moi non. Sérieux? Après chacun, c'est. Moi, tu sais, ce que ça, c'est juste avec Rezo et le Ben, c'est tout. Starfallah. Voilà. Vas-y, bonne nuit. J'étais un lapin, toi. Comment, bébé? Et je trie les pois chiches et je les mets de côté. Oh non! El Hamzama, dernier round, game over. Le face-à-face final. Tu sais, Kadi, comment faire pour savoir si c'est un vrai Marocain, un faux Marocain? Genre, si le mec, tu lui sers par exemple un tagine, etc., ou n'importe quel plat, si il mange tout et il laisse la viande, genre en mode boss final à la fin, c'est que c'est un Marocain. Eh, dites-moi, monsieur Richie, est-ce que vous mangez, vous voyez quand la viande elle est cramée? Bah oui. Est-ce que vous frottez? Mais bien sûr. Dramera. Ah, on prend la fourchette, on regrette. Ça, c'est le cancer en bouche, hein, par contre. Hein. Ah oui, mais bon, c'est bon. Hein. C'est le cancer, c'est le cholestérol. C'est quoi ton plat préféré, toi, Kadi? Ah, mon plat préféré. Elle me dit quoi, burger? Hein. La ricotta et peinard. Quoi? Mais ouais, j'étais vegan ou quoi, toi? Bah, c'est des pâtes. Bah ouais, t'es vegan. Non, je suis pas vegan, j'aime pas la viande. Ouais, c'est con. Mais être vegan, ça veut dire être contre les animaux ou tuer les animaux. Moi, j'aime bien le McDo, j'aime bien le poulet. Ah, le poulet! Le poulet, les tenders, c'est quoi que vous êtes en train de manger là? Donc, je suis pas vegan. Là, je suis en train de manger, regarde, des raisins secs, noix de cajou, noix de pécon. Ça, c'est. Ouais, noix de pécon. Noix de pécon. Là, je vois, il y a deux meufs et genre la cuisine, elle est vide. Vous pouvez pas préparer un petit plat, un petit tagine ou quoi? Allez, mesdames. Moi, j'active. Allez, les femmes. Toi, arrête de me claquer dedans, je t'ai déjà dit. Oui. C'est pas moi, c'est lui. Alors, c'est où la sauce javel? Ah, c'est toi là, t'abuses là, c'est clairement. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, je reconnais tes doigts, C'était tes doigts là. Des vieux doigts. C'est Urgen tout à l'heure. Vas-y, Abby, prépare-nous un petit truc. Ouais. Je prépare quoi? Tagine blouse. Ah, il y a blouse, mais bien sûr. Allez, merci. Kadi, du coup, bah, en vérité, prépare-nous un risotto ou je sais pas quoi, avec des épinards ou je sais pas quoi, risotto. Ah, allez, les femmes, allez. T'as cru que ça va cuisiner? Bah, vas-y. Bah, ouais, cuisine, s'il te plaît. Voilà, vas-y, viens, on va se mater deuxième, nous, en attendant. Allez-y. Vas-y. Après, on voudra un massage crânien et tout. Hein. Oui, massage crânien. Wesh, ma soeur! Quoi? Tiens, j'ai fait des cuisiner. Mais quoi? Mais allez, wesh. Ah, t'es pas gentil. Ah, Pourquoi tu l'as frappé? Mais vas-y, elle me fout les poches, wesh. Ah ouais, nous on n'aime pas les voleurs, hein, c'est mort. Mais non, mais je m'attends. Bon, allez, Kadi, pour la peine, tu prépares le xo et tu prépares en même temps le risotto. Comment tu fais ça? Xo.
Non, Xo. Xo. Aux États-Unis on dit Xo. Non, non, aux États-Unis on dit Xo. Hop, je m'en lasse jamais. Oui, je sais pas, on dit Xo. En Allemagne on dit Xo. En Berlin. Moi, on dit Quartier Ouest. Tu connais les Zahalour? C'est trop bon, frère. C'est lourd. C'est. Oh là là, rien que d'en parler, croyant. Ah, vous, attends, attends, vous connaissez le Hamlechlou? Le Hamlechlou? C'est pas coûté, c'est nous qui l'avons inventé, moi. C'est Joël. C'est Joël. Bouge. Merci. Merci. Oh, t'as préparé quoi là? Du couscous avec la sauce javel qui avait sur le meuble. Putain, mais t'es vachement rapide hein, pour faire de. Ah ouais. Attendez, mangez pas, mangez pas. Comme ça, sauce quoi? Sauce quoi, ouais, c'est Javel au goût barbecue. Mais arrêtez de vous coller à moi. Mais elle se prend pour un hindou, wesh, t'es mal, comment elle se fait? On va te mettre des clous, tu vas marcher dessus, wesh. On dirait une paquet de sel. Kadi, faites-nous des effets spéciaux comme les Indiens. Tu peux pas glisser sur un camion avec un cheval? Là. Alors qu'elle est tombée sans deux. T'es mal comment elle est posée avec sa tête? Oh, ma tête. Je savais pas vu. Oh là, les vigiles à Sephora devant les caméras. Hans, tu veux pas me croquer? Wesh. Allez vous faire cuire un œuf, laissez-moi tranquille. Poussez-vous! Poussez-vous! Jérôme le fait plus le cuire sur son crâne, c'est tout clair. Mais poussez-vous, mais. Je vous ai payé la moitié, tu vas me mettre dans les poppy doutes. Ouais, ouais, c'est vrai, ça va, ouais. Ouais, et elle? Bah, elle, elle a pas de thune, frérot. Elle avec un S. Non, 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 j'ai pas donné. Non, Kadi, tu la comptes pas pour le moment, frère. J'ai pas donné la clé. Elle profite tellement, elle se met dans le coin du canapé, elle profite au calme. Elle s'est mise toute petite. Ah, carrément. Elle s'est mise bien. Elle veut tant d'appart, c'est le plus grand que mon avenir. Oh! T'as toujours des faces comme ça bizarres. Ouais, toutes ces femelles qui me recherchent. Et ah bon non, lui, je l'ai déjà dit. Attends. Ah, tu peux si dire je vais... à Ah, mais vous avez vu la beauté que je reflète, oui. Qu'est-ce que vous voulez, les joues? Ouais, frappe-le, mais frappe-le, wesh. C'est bon, frappe-le, wesh. Mais non, mais attends, je t'ai déjà dit, t'appelles qui les femelles? Vous savez, les femmes avec les cheveux longs. Bon, écoutez, maintenant, vous allez arrêter, parce que maintenant, je me laisse plus faire. Reculez, Est-ce que les cheveux longs, c'est nécessairement des femmes? J'avance, je vais faire quoi? Arrêtez, je vous boum. Reculez, je vais faire quoi? Vous êtes chez moi, ici. Je vais faire quoi? Reculez. En vrai, c'est un vrai bonhomme, la femme. Moi, c'est... AB, est-ce que tu peux me battre pour obtenir mon cœur aussi, s'il te plaît? Je t'appelle pas du tout. Tiens. Voilà, sa mère. Puis bon. Il est mort en équerre, allez ça dégage. Putain. Qu'est-ce que t'as dit, Kikri? Est-ce que tu peux te battre pour obtenir mon cœur comme tu t'es battu avec Hans, s'il te plaît? Ah, parce que t'es magnifique. Aïe. Wow, c'est trop mignon ce que je viens d'entendre. Hey, ouais, j'organise le mariage pour 5 000 $, c'est bon ou pas? T'es fou. Ah non, je suis déjà prêt, j'ai déjà une femme, désolé. C'est qui? Bah voilà, c'est bien. C'est Aïsté. Ah oui, qui? Aïsté. La boisson, là? Ouais, ouais, je la sirote bien comme il faut. Ah. Oh putain. Oh sa mère. Comment ça tu la sirotes? Bah, être... Mais pose pas de questions. Bah le AST, je le sirote. Ça se passe comment avec les meufs d'ailleurs, genre ou quoi? Vraiment ouais. Là on en est là. Là on en est dans ces questions là. On parlait de ciseaux et toi, tout. Toi tu veux te documenter là, tu t'es sûr? Mais oui, parce que les hommes ils... Mais oui, parce qu'en fait on parlait de ciseaux, je sais pas quoi. Oh sa mère. Eh vas-y, moi je vais prendre un truc à boire. Oui. Est-ce que si tu te mets sous la pluie et que t'es toute mouillée, je peux dire que je t'ai amené au 7e ciel? Wouah. C'est bizarre, elle. Moi j'aime bien. Ah bah c'est Afrit. Non mais c'est Hanine, c'est Hanine en vrai, c'est Hanine. Quel c'est Hanine? C'est haram, oui. C'est haram, oui. Hanine, il est fou ce type. Attendez. Non, là il y a un vrai débat, là il y a un vrai débat. Et j'y connais rien, c'est quoi la différence, s'il vous plaît? Il y a un vrai débat. Hanine, haram, alors Hanine, ça veut dire que c'est mignon. Genre, vous croyez que vos parents, ils ont pas ken pour vous avoir ou quoi? Hamara, écoute-moi bien. Moi, ça fait deux fois que je suis au courant. Hein. Écoute-moi bien. T'es mal, ami de Springfield. Ça, plus ça. Ouais, Springfield, Springfield, ta boucle là, écoute-moi bien. Ça, plus ça, c'est pas possible, tu comprends? Mais attends, mais c'est un mec, tu me racontes? Comment ça, c'est un mec? Mais c'est un mec! Moi, je suis pas un mec, hein. je peux te confirmer que je suis pas un mec, hein, si tu veux. Non, mais dans une ancienne vie. Dans une ancienne vie, t'étais un mec, la réincarnation, t'y crois, non? J'ai toujours été une fille. Oh putain. Ah ouais. Observe, je suis une fille. Comment ça? Ah ouais! Regarde en plus! Bah oui, la patte du chameau, je l'ai vu la patte du chameau. Oh putain! Ah, je suis observateur, j'ai vu. Va te faire foutre! Vas-y, je vais mettre un truc sur la télé, tu vois. Ah, maintenant, on va te faire foutre, hein! On arrête de se discuter. Mets un soutif là, on dirait que tu pointes là, il fait pas froid pourtant ici, t'es chelou. Abby, pour combien tu couches avec elle? C'est exactement ça. Taras, t'entends? Eh, je te mets bien, Abby, je te mets bien. Attends, Abby, j'ai une vraie question. Tu préfères coucher avec Hans ou avec Kadi? Aïe, vas-y, quitte à choisir. Qui t'a choisir? Oh putain, il me dégoûte, lui là-bas aussi, mais t'es pas ça. Quoi? Laissez-moi tranquille. Avec Hans ou elle? Bah ouais, avec Hans. Ouais, ouais, avec moi, tu vas être trop satisfaite. Bah non, avec Hans, je pense, tu m'as dit avec elle, c'est pas possible. Bah ouais, technique. Avec moi, c'est pas 4 heures, c'est toute une nuit, c'est le prof. Oh mon Dieu. Je veux partir. Bah bon, faut pas déconner non plus. Yo papy, ça va quoi? Oui mon petit Ricky, comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va super, j'étais en train de rédiger ton article. Très bien, très bien. Bah c'est noté mon petit, c'était pour pas faire d'erreur.
Bisous mon petit, je te dérange pas plus longtemps. Vas-y, bonne soirée, papy. Au revoir. Bisous. Merci. S'ouvrir en japonais. Quoi? Il s'est passé quoi? L'enquête. Il s'est passé quoi? Faites une enquête. À vous de... Ok. Ok, je fais une enquête. Attendez. Du coup, moi j'étais assis ici. Moi j'étais assis ici. Papy, tac, je me lève. J'entends absolument rien. Je reviens. Abi, fit de meilleur. Ça a du sang sous tes chaussures, fais attention. Cache. Zarbia. Ah, ok, attends. Attends, Zarbia, elle est mouillée un peu. Ok, la moquette, elle est un peu mouillée. Kadi, tu l'as fait mouiller ou pas? Tu es pour quelque chose? Ouais. Mouillée, ouais. Ok, on peut mais là, c'est rouge, là, du coup, c'est pas. Non. Abi, t'as tes règles? Je pense pas qu'elle peut répondre, là. Bah, je voulais tester, justement, c'est un test. Ok, Hans m'a l'air suspect. Il m'a dit, mène l'enquête. Donc, il est clairement suspecté dans l'enquête. Ça se voit que ça m'arrange. Je vais faire un tour des origines. Hans est innocent. Posture bancale, la bête en trans, les cheveux bien gras, coupable à mon avis. Kadi, petit coup du poulet, poulet blikamoun, Arjil et Trenzin. Le poulet c'est blanc, je suis noir. Bla, Arjil et Trenzin. Abla. Les mains qui puent. Suspect numéro 1, Kadi. Coupable, Hans. Coupable, vous. Est-ce que c'est bien vous qui avez bêté cette dame? Non, ce n'est pas moi. Je vous explique, j'étais sur le fauteuil vert. Et... Bla. Tu te tais. C'était oui ou non? Kadi, levez-vous. Suspect numéro 1. Ouais, dites-moi. Est-ce que c'est bien vous qui avez buté Abby? Clairement pas. Ok. L'enquête a été rendement bien menée. Nous avons zéro suspect et zéro coupable. Encore une enquête bouclée par l'inspecteur Voiture Rouge. Bon courage et bonne soirée. Alors, c'était bien quand même. Eh, c'est bien comme pour faire une série. Allô? Wesh. Oh là là, 500$ chacun, 1500$. Oh là là. Abby, c'est qui t'a fait ça? Devine, wesh. Bah, je pense que c'est elle. Évidemment. Putain, je suis un bon. Oh, pfff. T'as mangé de l'ail, toi? Théma, Hans, il sert de table à manger pour Kadi. Quoi? Vous nous avez mis KO? Mais attends, c'était une enquête, regarde. En fait, je tape les témoins pour avoir des aveux. Ah ouais. De toute manière, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Bah, en même temps, c'est la pelouse marocaine, regarde, tu crois quoi? Ouais. On tape, après on discute. Inspecteur Néané. Ça va, Kadi? La meuf là, c'est une malade mentale. Putain. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais en train de dire. Ah, Hans, vas-y, tue-moi, je sais pas quoi. Tue-moi? Bah ouais, parce qu'elle est en train de me dire des dingueries. Ouais? Elle t'a dit quoi? Je sais plus, elle disait des trucs de baiser. Non, je vous balance. Et après, elle a dit, ok, vas-y, moi je te tue. Quoi? Ah, blackout. Oui. Avec quoi? Bah ouais, je t'ai pas vu, ouais, je crois que c'était du ventre. Si, attends, je vais mener l'enquête. Attends, tu fais des bandages? C'est gratuit, t'inquiète. Non. Bon, Kadi, venez. Je suis navré. On va faire un tapissage, venez. Ouais, on fait un tapissage. Un tapissage de quoi? Mettez-vous des témoins. Je sais que c'est tout blanc, mais je suis. Mettez-vous là-bas contre le frigo, s'il vous plaît. Là, comme ça, là. Je lève les mains ou ouais, retournez-vous. Vous allez me passer les mains parce que moi, je me retourne. On va vous ramener des témoins et vous allez devoir dire des phrases, d'accord? Ok, je dirai des phrases. Oh, Abby, viens, on fait un tapissage. Ouais, attends, parce que Hans, il a la trace de sang sous ses chaussures. T'inquiète, là, bizarre, viens. Bon, vous inquiétez pas, les suspects ne vous voient pas, hein, c'est une vie de Saint-Tin. Kadi, vous m'entendez? J'active le micro. Ouais, je vous allez répéter la phrase j'aime le grga. Ah. J'aime le grga. Allez-y. J'aime le grugle. Alors? Ah. Ouais, non, c'est pas ça. Ça correspond, c'était quoi la phrase? Il faut dire Gerga Ta'i. Ah oui, c'est Gerga Ta'i. Glouglou Ta'i. Ouais, c'est ça, c'est Glouglou Ta'i. Ouais. Ouais, c'était ça. Ça ouais. Répétez la phrase, moi je vais vous tuer. Yo, moi je vais carrément vous tuer. Alors? Ouais, c'était ça. C'était ça? Les souvenirs sont encore plus de ça. C'est bon, vous pouvez sortir. Assis-vous, c'est bon. Okay, merci, Kadi. Ouais. C'est bon, vous. C'est parfait. Assis-vous sur le canapé. Pas aussi, je m'assois tout de suite sur le canapé. Et je dis pas non, c'est confortable. C'est bien elle, hein? Ouais, c'est bien elle, c'est bien elle. On peut l'incarcérer, chef. Pétain. Elle est dans notre appartement, putain, merde. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que j'ai pas de menottes, j'ai rien. Tabasse? Non, je vais la mettre en prison, c'est bon. Oh, séquestre-la, oui. Bon, Kadi, levez-vous. Je vais vous mettre les menottes. Tout de suite. Tournez-vous. Vous êtes inculpé des chefs d'accusation suivants. Séquestration, ouais. Harcèlement ouais. Sexuel sur la personne ouais. De Abby Bloom. Ouais. Tentative d'assassinat, tentative de meurtre, tentative d'empoisonnement avec tagine à base de Xo et Javel. Harcèlement monsieur, sexuel je, sur la... Je sais comment me défendre. Sur ouais. La personne de Hassan Werner. Hans, enfoiré. Hassan, tu veux aller en prison? Oui, non, c'est Hassan, ça va. Allez. Vous avez un dernier mot à dire pour votre défense, madame Kadi? Oui, mais faut me déposer pour que je teste la mort. Tous les chefs d'accusation. Je circule.
Attends, besoin d'aide, je suis avec deux gonzesses qui font que de chanter. Go, on y va. 42, venez, on sort. On couvre une affaire pour inspecteur Werner. Encore une affaire rondement menée par Hassan Werner. Ah oui, ok, regarde, qu'est-ce qui se passe? Il a des petits pattes là. Pas de la paumée. Il faut que je me change avant de descendre la voiture. On a un public. Mais ouais, il va falloir improviser, là il y a un public. Bonjour, concert de 42, vous êtes prêts? Ah oui, je suis chaud là. Abby, il faut qu'on fasse le truc après. Oh, Olena, qu'est-ce que tu fais là? Attention, silence. 42, tu peux le faire. Vas-y, 42. Ouais, 42. Je suis des queues. Ok. Ah. Yo, j'habite à Los Santos. Ça, c'est Marie Gaume. Je m'appelle 42. Je viens de Los Santos. Chaque fois que je prenais un Mentos, en fait, c'était ma queue. C'était ma queue que t'avais dans tes cheveux. Et mon petit hanche, et je te prends tes hanches. Mais avec mon petit blond, je te fais le pieu. Ouais. Mais c'est Maxime Laroche. Hans, à toi. On y va, Alessine. Ok. Je m'appelle Hans, c'est nous. Ouais. C'est moi la plus grosse Pookie. Ouais. La panda m'a appelé. Ouais. Il a voulu me victime. Ok. Ouais. Ça marche, bébé. C'est moi, le seul et l'unique. Ouais. Je m'appelle Richie le rat. Dès qu'il y a un billet, je suis là. Richie le rat. Dès qu'il y a un billet, je suis là. Ouais, dès qu'il y a un billet. Ouais, je suis là. T'inquiète même pas. Dès qu'il y a un billet. Ouais, je suis là. C'est Richie quoi? C'est Richie le rat. Avec Hassan, on retourne la vie. Avec Abby, on se fait du bise. Richie le rat. Richie quoi? Richie le rat. Oh, il s'est lâché. C'est pas mal, Richie. Allez, Olena. Ok. Moi, c'est Olena et je viens d'Ukraine. Mais j'ai que la finie. Monte sur le capot. Oh, moi, c'est Olena et je viens d'Ukraine. Si tu veux m'arnaque, on ne sait pas la peine. Tout le monde dit que je suis une grosse arnaqueuse. C'est pas vrai, je suis juste une queen. T'es un génie, je suis pas une moteuse. Ça, c'est vrai. Vous êtes assez fouillaise. Attends, Olena, t'as mis des chaussures aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas grave. Yo, moi, c'est Kaek et je te fais sortir. J'adore, je te fais circuler, j'adore. Waouh! Ah ouais, c'était cool, intense, hein? Je suis peut-être pas le meilleur, mais bon, t'as peur. Surtout quand je débarque, je suis en scooter. Ouh. 42, c'est moi, je représente la loi. Protéger et servir, ce sont mes choix. Ouh. Je suis avec 27 et 28, commandant et le sergent. À Bolingbrook, on va te placer. La savonnette, ils vont te la mettre. Ouh. Tu crois que je suis. Ok, c'est bon. Pas mal, encore. Ok, c'est ce que j'ai là. Oh, t'as tout donné en vrai! 42, c'est bon, t'as gagné The Voice, hein! Let's go! Les victimes de Los Santos, on me prend tout le temps mes pesos! Ouais, les BG, ouais! Ils font des bises! C'est Richie, le rat! J'arrive en 2-2. Eh, mais 42! On arrive en ce match! J'ai pas un rond, ouais! Je suis un rat! Allez, on va voir la Fika! Ah oui, Fika! Jure, il y a une Fika! Vas-y, 42, tu me tiens au courant, bébé! Bisous! 42, je t'aime! Elle est trop bien cette musique! C'est ouf! Voilà, Diam, ça manque, hein! Maintenant, il y a que des rappeurs avec 3 lettres, ça me casse les couilles! Des illettrés, frère, oh là! Bah, c'est après, elle était borderline, hein! Arrive quoi toi, elle a lâché des mots complexes d'un coup. Elle est dans un borderline. Borderline carrément. Borderline, qu'est-ce que tu Ça veut dire quoi pour toi borderline, vas-y. Eh, oublie pas que Michel a un QI de 4, hein, il comprend pas ce mot. Ta gueule. Ah, j'ai clairement pas un QI de 4, J'ai 6. Aïe, le menteur. C'est au bord de la ligne, c'est comme moi je suis au bord de la ligne. T'as menti, tu m'as dit avec ça. Ta gueule, sinon je vais commencer à ramper, tu vas voir. Fais-moi le malin maintenant. On va ramper en mode... Je fais le hench. Ouais. Ah, je vais le bénir. Alex, venez ici, vous. C'est quoi? Emma, ça va bled devant. Mais ça, mon gars. Je te jure, c'est en train de charger la caisse. Mais non, c'est pour le van. Montez. Eh, venez ici, vous. Montez les bagages. C'est quoi mon message, vous? Allez, je lui donne 15 secondes avant de se faire embarquer. Je vais te faire soulever ici. Ichi. Ouais. Regarde, c'est jour plus d'année. Mais laissez-moi tranquille! Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais allez! J'ai parlé à un mec qui m'a dit: venez, je vais vous sacrifier. Wesh, il se passe quoi? Non, mais gommez-le! Eh, vous l'emmenez où? Je suis en garde du corps, qu'est-ce qui se passe? Il va vous gommer!
personne va goûter personne. Je peux pas te cacher, je l'emmène juste. Ouais, donc, voilà. Tu l'emmènes où? Tu l'emmènes où? Mais là, chez moi. Je sais pas, t'inquiète. Comment ça, t'inquiète? Si tu le touches, je te soulève. Mais je te rappelle que toi, je t'ai mis en moto. Ah, vous savez, je sais pas t'es qui, mais. Je sais pas t'es qui, mais t'es à l'argentine du coup. Elle change de source d'ailleurs en deux secondes. Elle. Vous voulez si vous voulez soulever un, c'est 2000$. Mais non, mais. Non, mais. Mais si, on fait un business sur ça, ta gueule. C'est 2000$ maintenant si vous voulez soulever 11. Mais je gagne combien, moi? Tu gagnes 500, c'est beaucoup quand même, c'est la moitié. Ah ouais, c'est... Non, 400, apprends de laisser. 400, c'est bon pour moi. Allez, c'est bon. Un jeton, mais frère, t'as que je suis une machine à sous ou quoi? Mais non, c'est pas un jeton, regarde, c'est marqué 2000$. Attends, je regarde. Marqué Richie. Non, tiens, je te le rends, moi je veux des billets, j'achète pas des jetons, je suis pas un casino. C'est 2000$ maintenant si vous voulez soulever 11, sinon c'est mort. Vous allez faire quoi? Le monsieur qui m'a ramené en moto, il faut payer la dot pour le gosse là, parce que je crois que ça va pas aller. Oh, sinon... T'es le gosse! J'ai trop le gosse. Il faut que tu payes la dot pour le gosse. Ouais, paye, ça chien. Toi, t'es le genre de mec à mettre des meufs en cloque, hein. Y'a aucun doute, c'est toi le père. Ah, pour baiser, ça y va, pour assumer, y'a plus personne, hein. Allez, monte dans ta caisse, c'est ça, ouais. Ah, ça fuit maintenant. Ah ouais, c'est au moins 15 000, hein. C'est au moins 15 000, hein. Bon, s'il vous plaît, on est pas là. Pension alimentaire, tu connais? Bon, personne veut me soulever alors, 2000$? Non, personne ne veut pour 2000$. T'es pas assez intéressant, je pense. Quoi, attends, tu veux baiser le gosse? Tu veux crever le gosse? Si tu veux crever le gosse, tu veux faire une chez mamie, ça? Tu veux faire une chez mamie? Bah dis-le, oui, je veux faire une chez mamie, dis-le. On a dit. Père indigne. Ça me dégoûte. Eh, prends-le en photo, mets-le sur Zoop. Dis bien aux mères ne jamais sortir avec lui. C'est un père indigne. Oh, montez, on va faire de la plongée, venez. Les femmes, c'est toujours sur le dessus, sinon c'est pas agréable. Ouais, apparemment, pour faire de la plongée, plus loin sous-marin, des plongées et tout. Mais ouais, je vous entendais pas ce qu'elle dit, putain merde. Elle a dit quoi? Je vais tout péter, ouais, j'ai dit que des trucs controversés, je vais tout casser. Des trucs controversés? T'as dit quoi? Accrochez-vous. Ah bah, ok. Arrête. Oh, trop fort. Non, ça va, ça s'est bien passé. Oh, je suis trop fort. Attends, j'ai juste une question. Pourquoi la dernière fois que t'as fait ça avec ma caisse, je l'ai pas retrouvée pendant 3 jours? Ta caisse, c'est de la merde. Mais ouais, mais c'est ça ton problème. Eh ouais. Et Candy, tu travailles bien au Burger Shot, il est blindé, hein. Waouh. Putain, y'a trop de commandes là. C'est terrible. Tiens, une camionnette noire vite teintée, sûrement de l'illégal. Tu sais pas faire le business. Avec un buggy? Avec un buggy. Allons mener l'enquête. As-tu pris ta loupe, Charlotte? Tiens. Hop là, j'ai tout dans le sac, Roya. Hop là, super. Ah, le sac, il en est. Prends les plaques. Vas-y, t'inquiète. Fais-t'on jamais. Il y a l'odeur du cochon, déjà. Du buggy, il est buggy. Buggy, décollez-vous. T'es mal l'autre avec ça. Oh là là, dégueule. Toi, t'as une dégueule de coupable déjà. Nagasaki. Toi, déjà, t'as une dégueule de coupable. La plaque, elle s'appelle Pitouxla. Ok, non, je vous aide. Le véhicule est verrouillé. La moto ne lit pas. Ah. Et voilà. Non, volez pas, on n'est pas des voleurs, nous sommes des enquêteurs. C'est mise derrière moi, je savais ce qu'elle allait dire. Mais elle a dit quoi? J'ai senti son sous-dent. Ah, t'as pas dit hop là, je t'ai fait démarrer? J'allais dire, si toi t'as une moto, est-ce que je peux t'enjamber? On annule l'enquête. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est juste. Non, arrête! Mais non! Oh merde, elle a sauté. T'es ma vie là-bas. Elle s'est éclatée. Elle était au téléphone, au calme, tranquille. Merde, elle est où? C'était trop puissant, je pense. Abby? Par contre, faut vraiment que t'arrêtes avec ça, hein. Abby? Mais elle était au téléphone, elle s'est peut-être pas attachée. Ah, bien vu, l'enquêtrice. Ah ouais. On tient quelque chose, là. On tient l'enquêtrice du mois. Mais non, l'enquête, bismillah. Mm-hmm. Abby, t'es vers où? Ah, c'est bon, on te voit, elle est là. Oud al-Haram pour Oud al-Haram. Oud al-Haram 1, Oud al-Haram 2, nous avons retrouvé la victime. J'arrive. Ça va, Abby? Oh putain, merde. T'inquiète pas, bouge pas, tout se passe bien. Vous inquiétez pas. Je vais te réparer. Je vais me casser la gueule. Alors, vous inquiétez pas, on était là pour vous. Si tu il arrive bien à synchroniser maintenant sa chute avec. Avec le coup, hein. Il a pris l'habitude, hein. Il est bon. Putain, Wadlaham 1, Wadlaham 2, vous êtes bon. Voilà, ah, putain, je me suis foulé la cheville. Ah ouais, tout ça, la cheville. Oui. Attends, elle me rappelle. Oh putain. La GFFA. Allô. Ouais, j'ai eu un petit accident de voiture, tranquille. Allez, t'es sur 45 mètres. Aïe.
Ah, j'ai fait une petite... Mais Allah, station. Non, non, t'inquiète. Attends, je suis dans des montagnes russes, mon gars, c'est riche. C'est ça, c'est non. C'est ça, c'est mais vous étiez au courant que les véhicules des Marocains retombent toujours sur leurs pattes. Sur leur résilience. Ouais, un peu, ouais. Non, tu fais quoi, là? D'accord. Sinon, ça dit quoi? Prends un sous-marin 4 places. Par contre, les cheveux. Je suis équipé là. Une petite, j'ai oublié moi. Ah ouais. Oh merde. Et voilà la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est ta mère qui prend ton père. Allez, Boukricha, monte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Voilà, tuté. T'as vu la tienne? Voilà, tuté. Mais ferme ta gueule, je parle pas de toi. Ah, tu parles de moi? Là, dis-toi, là, je suis équipé là, j'ai une bouteille d'oxygène et tout. Oui. Ah, c'est pas assez profond. Ah ouais. C'est bizarre, quand c'est Kadi qui dit ça, c'est grave bizarre. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans là? Je sais pas. Pourquoi on est là-dedans? Pourquoi on est là? Mais tranquille, en fait, il y a des trésors. Regarde le GPS. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que t'es dans ton habitat naturel? Pourquoi? Non, c'est une sirène. C'était pas mal. C'est une sirène, genre, c'est une sirène. Elle est bien. Je l'ai noté. Du coup, tu vas tout mouiller. Je l'ai pas noté. Et Allah, bismillah. C'est parti. Parce que vous me recevez. Oh, Roya, je suis devenu une sirène. Ah, j'espère, Inch'Allah, il n'y a pas de requins. J'aime pas les requins, non. Qui les aime, les requins? Les Japonais, ils ont bien fait le taf. Nique tous les requins de la planète. Oh, mais y'a rien ici. Oh, j'ai trouvé une relique. Une relique ancienne ou une relique nouvelle? Une relique berbère. J'ai trouvé une relique berbère. Vous voyez, là, les colliers des mariages, là. Une relique berbère? T'as trouvé une alcoolique berbère, ouais. Ashrab. Vinaigre d'alcool. Al-Khal. Remontez à la surface et parlez en radio, vous allez voir. Allah, Allah, dar, ça fait mal, hein. Andy Scolios, ça vous le dit. Bouge. Oh, tu m'as fait peur. Je serai plus jamais comme ça. Libéré. Délivré. Non, vous allez me la mettre dans la tête, arrêtez. Je ne mangerai plus succion. Allez, c'est toi sous l'eau, putain. Ah, de fou. Sans masque à gaz, sans walou. Rien à foutre. Ma mère, c'était une baleine. Mon oncle, c'est un dauphin. C'est un otari. Trouvez deux trésors. On a trouvé zéro. Oui, il y avait des petites mènes à l'intérieur. C'est un trésor, ça. C'est quoi? Un trésor, c'est un vrai trésor. Une semaine? Ouais, en Allemagne, ils mangent ça aussi. Oui, avec du saïko. Ah oui. Avec une petite bière. Avec votre bière, avec une petite bière. Allez, bilou, sur le. Vas-y, tu vas de la plongée, tu vois un gars, il passe à côté. Ah, Garoubi, Mouska Koujak. En jet ski, tu sais. Ah, Garoubi, Mouska Koujak. Allez, on va nettoyer chez Alix. Oui, les filles, vous allez faire ce que vous savez le mieux faire. Ferme ta gueule. Pardon. Nous avons des produits, moi et Richie, qu'on a inventés avec des recettes secrètes. Pourquoi tu prends comme un Allemand d'un coup, là? Parce que je m'appelle Hans. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, oh, oui, là je respire. Attends, mes cheveux. Ouais. Ah, Hassan, dégradé 10 euros, t'as grillé, hein. C'est bon, on a compris. On va chez le coiffeur. Non, mon brochingue. T'es chez le coiffeur, c'est bon, t'as perdu tes cheveux, frère, faut attendre. Nous, on était en train de chercher des trésors, lui, il était en train de se faire un dégradé. Allez, monte, Hassan. Allez, où la pose. Hans. Attendez, elle me l'envoie. Ok. Eh, on lui demande combien? Dis-lui 2000$, comme ça fait un billet de 500. Là, elle va chez elle et elle m'envoie la preuve. Je déteste les gens qui font du footing à ce temps-ci. Non, mais. Bouge ta mère. Ouais, attends. Mais il y a des rochers partout aussi. Il y a des rochers partout. Bah oui, on est sur la plage. Ah ouais, bien vu. C'est pas un 4x4 que j'ai aussi. Oh. Est-ce qu'on va la faire celle-là? Est-ce qu'on va la faire? Vas-y, balance. On l'a fait. Allez, première, pas de deuxième. Pas de deuxième, vas-y. Ah, sa mère, c'est mort. Je vais passer la deuxième. Sa mère, l'hypothèse. On recommence. La première. Sa mère. Pardon. Vas-y. Allez. Oh non. On a quand même réussi avec le gros popotin de Abby. Quoi? Je vais t'enculer. T'inquiète, c'est un compliment, ça veut dire que c'est bon. Non, c'est où, Alex? C'est où? Ah, moi j'aime bien quand c'est bombé. Aïe, mais lâchez-moi, vous faites mal, Abby. C'est où, chez elle? Ouais, je te fais mal, ouais. Mais y'a l'autre. Arrête de me toucher, toi, wesh. Elle m'a pas encore envoyé la position. Non, mais arrête, mais non, mais t'abuses! Ah! Mais ah! Oh, t'es mal à sauter! Elle est trop bête. J'en ai marre de vous! Elle est trop bête. Aïe. Allez, je t'écrase, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Eh, toi et les ceintures, c'est une histoire d'amour, hein. Mais attachez-vous, espèce de grosse vache. Viens, je t'étrangle, viens là. Grosse vache, t'as dit? C'est même pas vrai, c'est même pas une vache. Mais c'est vrai. Quoi? C'est une truie. T'as dit quoi? Doucement. Eh, regardez, c'est elle qui habite là. Ah, l'illégalité. D'accord.
Allez, c'est parti. Attends, on s'habille, c'est pas eux qu'on a goûté tout à l'heure. Allez, on s'habille. Tenue de ménage, Alex, on va faire un ménage. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Ménage express, il vient ici. Alors, on y va en espion, il nous voit pas, il nous voit pas. Alors, Alex, c'est toi, Alex, non? Ouais, c'est moi. Bon, on a ramené les produits et tout. Vous voyez pas, bien frotté. Venez. T'as parlé des tarifs ou pas, Hans? Vraiment, ils nous ont pas. Bah, il m'a dit, ça va être, je crois, à peu près 2000, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça me venait avec du renfort, vu que vous êtes sale, Alex. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Du renfort parce que je suis seule, ok. Non, sale, il a dit. Moi, ça, sale, c'est un achat que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est les anciens compris. Ok, ok, c'est pas moi, je viens d'emménager aujourd'hui. On va déposer le carton. Vous croyez qu'on est en soirée ou quoi? Ouais, allez, messieurs, on va nettoyer quand même, là. Oh, on vous est en train de salir partout là! C'est bon, marche arrière, t'es qu'est-ce qu'ils font? Mais hé, vous êtes pas invisibles les mecs! Ils nous voient pas! Mais si, je te vois! Ah bon? Bah ouais, merde, je te vois! On est démasqués! Bah non, t'es pas là! Les Armenos, tranquille! Ouais, ça va, et toi? Ça va! Allez, on a besoin de concentration! Concentrez-vous! On admire! Allez, on vous paye pas rien faire! Allez, les femmes, on nettoie! Et clairement, ils ont le coup de incroyable! Supplément 500$! J'entends le loup, les renards chantent. Nous viendrons, les gombos, nous viendrons. C'est à ce moment-là qu'il faut le vinibro. Vraiment pas. Ils ont le coup de main, moi, joli. Désolé, c'est parce que c'est la médaille. Approchez de l'action et venez écouter ma dernière confession. Elle a pas de banane, elle a qui là? Tiens, je te nettoie tout ce qui est sale. Quoi? Ah, j'ai dit quoi moi? Oh, Kadi, je vais te goober, je te jure. Va faire les shots. Allez, les enfants, on s'active, on sort les poubelles. Mais arrêtez, mais. Bah attends, il me reste des cheveux, mais ouais, mais. Allez, les poubelles. Ah, ils sont efficaces. Bien sûr, on est efficace, tu crois quoi? Efficacité pas cher. C'est seulement 25 000 $. Ça monte. Ça, c'est pas cher. T'as eu les poubelles chez vous là? Tu vois les poubelles? Déjà, c'est un quartier des bidonvilles, on peut poser ça. Oh, les places devant, De toute façon, T'as dit quoi? Ah, ça ira dans les océans. Eh, mais attends, c'est à vous les véhicules là, le camionnette et tout? Ah, ouais, mon gars. Le buggy et tout? On a pris des plaques d'immatriculation. C'est votre terrain ici? De quoi? C'est votre terrain, c'est votre cité, c'est quoi? C'est chez nous, ouais, c'est là où on habite. T'as bien vu les appartes. Vous avez acheté? Ah, ouais. Putain, vous êtes chaud, vous faites quoi dans la vie? C'est pas discret. On a tous un petit métier par-ci par-là. Alors, ce camionnette noire, vite teintée. C'était pour le déménagement d'Alix? Oui. Bah ouais, c'est pas bien. On mène l'enquête, tranquille. Ah, regarde, si tu veux, je te l'ouvre. C'est bon, tout à l'heure, on a vu, il y avait des trucs bizarres sur les bâches et tout. Il est tout vide, le camion. Il est tout nettoyé, tout propre. Mais oui, c'est bizarre qu'il soit tout vide, tout propre, vu que t'as déménagé Alix. Justement, je l'ai passé au carwash parce que d'habitude. Le carwash, comme les tueurs en série. Tiens. C'est parce que d'habitude je promène, t'as vu, des petites feuilles et tout, et puis des petites femmes. Ah bon? Non, feuilles. Moi, pas moi. Quand même, fait des grandes études à Harvard, Princeton, à Marrakech, quand même. Je sais de quoi je parle. Ah ouais. Et... Harvard et Marrakech. Ouais. C'est où ça? C'est dans La Rochelle. Ah, je sais pas. C'est à côté de Fort Boyard, je crois. Vous avez rien à manger? Aussi, avec. Si, moi j'ai un menu 40$ si tu veux, Hans. Non, bah c'est pour ça que je le demande à lui. Non, c'est mort. Je fais un menu 40$. 20$, t'as un boisson énergisante. C'est moi, je préfère mourir de faim. Mais mon gars, il faut vivre. C'est chaud. C'est vous qui avez loué des trucs tout à l'heure, non? Ah ouais. C'est vous, le bande d'enfoirés, vous avez fait du super raid avec. Oh, mon cul, ouais. Ils ont rentabilisé, tu connais. J'ai vu le numéro de plaque et tout, j'ai dit c'est bon. On a croisé un gang de blancs, ils étaient tous en blanc avec les trucs de location. Les Yardley, ça, c'était les Yardley. Je sais pas, on a fait la course avec eux, mais ils trichent un peu quand même. Eh ouais, c'était full perf, vous avez fait les crevards, je vous ai fait un rabais de 2K. Et voilà, donc pas de full perf. On s'en fout, on a pas payé, et ouais. Eh, c'est pas nous les crevards, c'est Alex, je te signale. Voilà, tout. Hasta luego, les hermanos. On se capte demain ou peut-être plus tard? Vas-y, plus tard. Allez, à plus, les gars. Vas-y, t'allah. Grosse vache. Alex, salam. T'as dit quoi? Hein? Il a dit grosse vache. Non, j'ai dit à tout à l'heure. Il n'y a pas de ça. Je dis à plus tard. Ouais, je t'abuse, tu trouves que tu traites des grosses vaches ou quoi? Jamais de la vie, wesh. Mais. T'as pas cette vente? Gros talent. Je voulais lui offrir un cadeau pour me faire pardonner. Oh, il a abusé, c'est lui. C'est lui, il a abusé. Non, c'est lui. Je te jure, c'est lui. C'est moi. Enfin, tu vois, c'est lui. Non, c'est Pookie. C'est toi, là, Pookie. Voilà. Là, il a dépassé les limites de la frontière, là. Allez, 500$, vous m'aidez? Oui, mon cul, je t'aide pas. 1000$, je t'aide. Ah, elle est blessée, la pauvre. 1500. Oh la vache. Ça y est.
Oh, attends, bouge pas toi. Oh là. Mais toi tu dors aussi. Voilà. Je vous prends en photo, je fais un nouveau business. Mais n'importe qui KO pour 1500$. Ah, ça va mieux. Ouais, jouez, ah ouais, d'entrée de jeu. C'est fini. C'est E3, ils ont appelé. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est E3. Ça va ? Quelqu'un ose. Si, attendez. Attendez, encore un peu. Arrêtez. Attendez, vous allez avoir une cliente. Vous allez avoir une cliente, il a dit. Il termine de tout. Et voilà, vous avez un client. Voilà le client. Sur place, vous remportez. J'ai joué, je vais la niquer. C'est fini ma sœur, c'est fini, bouge plus. Non, monsieur Richie. Pas chez moi, pas chez moi, pas dans monsieur, mon process. Monsieur Richie, la dame s'est déplacée, il faut lui donner du boulot. Allez, bah, donnez-lui du boulot. Ah, ça c'est bon. C'est bon, lui il est KO, c'est bon. D'accord. Elle aussi. Viens là, toi, bouge pas. Voilà, nickel. C'est bon, vous avez 3 clients madame. Bonsoir messieurs. Salut, ça va ou quoi? Oui, juste des petits clients récalcitrants qui ont pas payé la caution, ils ont rayé la caisse. Ne vous inquiétez pas, rien de grave.